On devrait te mettre en prison pour avoir ces yeux-là. Mon Dieu. Tu es merveilleuse. Tu te souviens de cette phrase? Ça a été la première phrase qui m'est sortie des lèvres quand je t'ai connue. Et c'était ici, à cet endroit. Tu vas continuer à le nier? Tu as provoqué ça? Comprends-moi, Margarita, Nacho est venu me chercher et... Non, je ne pouvais pas refuser. Je crois que c'est le moment d'être sincère. Nacho mérite la vérité. Quelle vérité? Que tu lui mens? Pourquoi tu as fait ça? Cette femme est une menteuse. Pareil que toi. Tu m'as caché l'histoire de Frijolito. Et elle, c'était ta complice. Olga m'a raconté toute la vérité. Toi et moi, on s'est connus à cet endroit, avant de nous voir dans le cimetière. Non! Il est temps maintenant d'arrêter les mensonges. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'en ai assez. Laisse-moi seule avec le docteur, s'il te plaît. Non, non, Olga, reste avec nous. Si Margarita ne veut pas parler, qu'elle ne parle pas. Olga, dis-moi. Il y a quelque chose que je ne sais pas? C'est de la lâcheté d'utiliser une femme pour affronter une autre femme. Quoi? Tu me traites de lâche? Oui, vous êtes lâche. Qui êtes-vous pour confronter deux amis, hein? Vous voulez des réponses, je vous les donne. Oui, je veux que pour une fois dans ta vie tu me dises la vérité. Tu crois que je suis stupide? Tu crois que je ne me rends pas compte de ce qui se passe autour de moi? Si vous vous rendez compte de tout, pourquoi me questionner? Parce que je veux des réponses. Toi et moi, on s'est vus à la discothèque et toi tu veux le nier. Ou moi je suis fou et toi tu me mens? Devine qui a raison. Margarita parlera avec toi. Moi j'ai enfin soulagé ma conscience. Maintenant, ça dépend de toi. Jusqu'ici, j'ai toléré tous tes mensonges. Je les ai tolérés par amour pour toi. Par amour pour toi, tout m'était bien égal. Rien n'avait d'importance. Ça m'était égal de savoir que tu connaissais Francisco. Ça m'était égal de savoir que Frijolito était son fils. Et mon mariage non plus ne m'intéresse pas. Tu sais pourquoi? Parce que par amour pour toi, j'ai compris que la vie, c'est une succession de petits moments aux côtés de la femme qu'on aime. Et si tu n'es pas là, si tu n'es pas là, ce n'est pas une vie. Parfois l'amour tue, monsieur. Il étouffe. Il fait peur. Vous croyez qu'aimer, c'est dire je t'aime? Aimer, c'est aussi se taire. Ne pas tout dire. Moi, par amour, je n'ai fait souffrir personne. Par amour, tu n'as fait souffrir personne? Qui n'as-tu pas fait souffrir? La personne que j'aime. Oh, s'il te plaît, Francisco, tu ne l'aimes pas. Tu vas venir avec moi, en silence. Et je ne vais pas te laisser partir, tant que je n'ai pas compris ce qui se passe. Je vais vous aider. Mais je dois savoir pourquoi on vous traite d'assassin dans cette lettre. Je ne sais pas. Si vous aviez confiance en moi, vous me le diriez. Quelqu'un est en train de mentir pour vous soutirer de l'argent, c'est bien ça, non? On dirait bien que oui. Alors pourquoi vous inquiétez-vous? Les lettres anonymes, on les dénonce à la police? Je les appelle. Ne posez pas de questions, Lucrezia. Vous vous rendez compte de ce que fait l'amour? Je ne comprends pas. Si je ne vous aimais pas autant, vous auriez de sérieux problèmes. Vous ne croyez pas? Vous voyez que je suis quelqu'un de gentil. Je ne profite pas de votre faiblesse. Si quelqu'un veut vous faire du mal, il aura affaire à moi. Vous avez tué? Vous avez fait tuer? Thank you.
Cet homme est mort? Oui. C'est l'homme que vous avez engagé pour prendre les photos de Margarita. Vous avez tué pour Margarita? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes devenu? Regardez, vous en êtes arrivé. Vous savez ce que Margarita a fait de vous? Un assassin. Je n'ai pas pu affronter Francisco parce que je n'ai pas pu, Evangelina. Quand je l'ai eu en face de moi, j'ai senti sa douleur. J'ai senti sa souffrance. Parce que je suis sûr qu'il souffre. Je suis totalement sûr que lui aussi, il souffre. Mais personne ne pense à ces petites. Elles seraient heureuses de connaître leur grand-père. Non, ne me regarde pas comme ça. Tu sais bien que j'ai raison. Francisco et toi, vous pensez que ces petites filles ont une pierre à la place de leur cœur. Mais moi, j'ai essayé d'arranger les choses et il ne m'a pas permis de les arranger. Non. Toi, ce que tu veux, c'est qu'il t'aime, qu'il te pardonne, mais tu ne trouves pas le courage d'aller le lui dire. J'ai essayé de m'approcher de lui, mais il ne m'a pas laissé faire. Toi non plus, tu ne pardonnes pas. Voyons voir, Evangelina. Qu'est-ce que je ne lui pardonne pas, selon toi? Juste son arrogance. Francisco n'accepte pas que son père ait fait des erreurs. Tu dois le lui apprendre. Hein? Que le pardon, on ne fait pas que le demander, on le donne aussi. Lui ne sait pas donner. Je pourrais avoir un verre d'eau, Madame Evangelina, s'il vous plaît? Et tu as couru ou quoi? Oui, j'ai couru, couru. Je me suis enfuie. De qui? De Lucho? Non, de Margarita. De Margarita? Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Non, mais ce n'est pas Margarita. C'est Nacho. Ignacio s'est souvenu de la nuit où il avait connu Margarita. Il était très près de découvrir que Frijolito était son fils. Où est-ce que vous m'emmenez? Au tout début de cette histoire. Arrêtez la voiture, je veux descendre. Tu veux descendre? Jette-toi, parce que je ne vais pas arrêter la voiture. Tu vas m'accompagner jusqu'à la fin, est-ce que tu as compris? Il a abusé de moi. Comment puis-je l'aimer? Oui. C'était lui. C'était qui? Lui quoi? Je dois vous dire aussi ce que je suis en train de penser? Margarita, quand un homme aime une femme comme moi, je t'aime. Il veut absolument tout savoir. Taisez-vous, ça vaudra mieux. Pardonne-moi, tante Rosita. Tu es en train de pleurer? Oui. Je suis en train de pleurer. Et pourquoi est-ce que tu pleures? Eh bien, tu sais, parce que je suis triste. Ah. Ne sois pas triste, tante Rosita. Je vais te dire une chose, Frijolito. Quand tu auras grandi, tu le regretteras beaucoup. Parce que les grandes personnes font des choses qui souvent blessent les autres. Bon, alors moi, je ne voudrais jamais être grand comme toi. Frijolito, un jour ou l'autre, nous devons tous grandir. Evangelina, ces petits haricots en beignet, ils ont l'air délicieux avec leur saucisse bien grillée. En plus, ils sentent merveilleusement bon. Oui, mais toi, tu vas manger une bonne salade bien saine. Tu veux me faire mourir de faim, mon amour? Oh, Pedro, je veux que tu perdes du poids. Ça va t'aider pour le diabète. Tu dois faire attention à ta santé. Voilà, tout est posé sur la table, Madame Evangelina. Olga, pourquoi tu as fait ce qu'Ignacio t'a demandé? Mais il fallait que j'accepte. Ignacio s'est rappelé de ce qui s'était passé cette nuit-là. Moi, je lui ai rien dit du tout. Tu y étais cette nuit-là quand il a abusé de Margarita? Tu as oublié que vous êtes sortis ensemble? Olga, je sais que tu y étais. Tu dois savoir... De quoi parlez-vous, Evangelina? Si cet homme l'a bien droguée et a abusé d'elle... Tu dois le savoir. Aujourd'hui, c'est mon jour de chance. La porte de la rue était ouverte. Mais qu'est-ce que vous faites ici, vous? Que voulez-vous? Je viens chercher ma femme. Vous savez qu'elle m'a abandonnée? Bon, vous le savez, puisque vous avez accueilli et hébergé...
une femme adultère. Je ne t'ai trompé avec personne, Lucho. Vous êtes une sale brute qui frappe tout le temps sa femme. Non, non, madame, je ne suis pas ça. Je suis beaucoup plus que ça. Mais je ne veux pas en discuter avec vous. Vous voulez en discuter avec moi, peut-être? Mon amour, tu veux vraiment avoir la mort de deux vieux sur ta conscience? Tu te souviens comment je suis quand je suis très en colère, mon amour? Je vais te sortir d'ici à grands coups de pied. J'arrête. Ça va aller, monsieur Pedro, c'est mon mari. Je pars avec lui. Ok, 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 mon amour. Tu ne sais pas comme tu me manques, ma chérie. Allons, attention, attention, mon amour, attention. Ne te fais surtout pas mal, mon amour. Ah, mon amour, ma chérie, ma vie. Et n'appelez pas la police, parce que ma femme pourrait passer un très mauvais moment. Adieu, les amis. Lâche-moi! Lâche-moi, tu me fais mal! Je te fais mal! Moi, ça m'a fait beaucoup plus de mal, ce que tu m'as fait. Toute la ville me regarde comme un cocu. Je ne te permets pas de douter de moi! Et qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Partir de la maison t'a donné du courage? N'essaie pas de le refaire, ma belle. Parce que tu sais qui je vais tuer. Cet idiot qui t'a défendu. Tu te rappelles de cette discothèque? C'est ici que tout a commencé. Alors, tu te rappelles? Non. Ne t'inquiète pas. Moi, je vais te rafraîchir la mémoire. Je vais te dire ce que je t'ai dit cette nuit-là. Avec cet anneau, je veux m'enchaîner à ces yeux-là. Et je veux les voir le restant de mes jours. Nous allons faire comme à l'église. Avec cet anneau, je veux m'enchaîner à ces yeux-là. Et je veux les voir le reste de ma vie. Tous les jours. Tous les jours. Non, monsieur. Je ne me souviens de rien car ça n'a jamais eu lieu. Foule des dames. Dégage. Ça roule, tes mots? Tu as cru que tu allais te moquer de ma fille et qu'on allait en rester là, comme ça? Écoutez, monsieur, ça c'est de votre faute. Vous m'avez interdit de me marier avec elle. Tu veux que je te dénonce à la police pour vente de drogue? Je suis désolé, je ne vends pas de drogue. J'étais en train d'aider une amie qui avait des problèmes, c'est juste ça, vous comprenez? Viens. Raconte-moi une histoire de cow-boy. Non? Mais vous voulez que je fasse quoi? Vous ne vouliez pas que je me marie, alors moi je vous ai écouté. Oui, très bien. Et tu sais quoi? Il m'a fallu sortir de mon travail pour venir te chercher, petit gars. Parce que ma fille est inconsolable. Elle pleure. Et tu sais quoi, petit gars? Moi, je n'aime pas que ma fille pleure. Viens. Non. Viens ou je vais... Quoi? Eh oui. Je t'ai demandé de ne pas te marier.
Mais toi, tu n'es pas venu à l'église, ce n'est pas pareil. Pardon, monsieur. C'est vrai que Rosita voulait se marier, moi non, ce n'était pas dans mes projets. Bien sûr. Toi, tu n'as pas pu avoir le courage d'annuler ce mariage. Donc, tu l'as humilié. Tu l'as humilié en la laissant là, habillée et empêtrée dans sa belle robe de mariée. Pardonnez-moi, monsieur. Je vous jure que je vais aller présenter mes excuses à Rosita. Oui. Et après, je ne veux plus te voir l'approcher. Je ne veux plus te voir près d'elle. Demain, écoute-moi bien. Demain, tu y vas et tu lui demandes pardon. Et ensuite ? Ensuite, je veux que tu disparaisses. Sinon, je m'occuperai de toi. Oui. Ne pleure pas, mon petit bébé. Ne pleure pas. Ta maman est avec toi. Ton papa va venir te voir. Oui, il va venir te voir. Tiens. Non. Tu ne veux pas boire avec moi ? Non, monsieur. En plus, je ne comprends pas ce que je fais ici avec vous. Tu es en train de m'aider à trouver la vérité. Tu veux savoir pourquoi tu ne t'en souviens pas ? Parce que tu as souffert d'une crise d'amnésie. Mais en tant que médecin, laisse-moi te dire que jamais je n'ai connu un cas aussi étrange que le tien. Ignacio, écoute-moi. Pardon, je veux dire... C'est bien. Trêve. Ça, c'est la nuit où tu me tutoies. Et moi, je fais l'idiot. Hein ? Je ne crois pas que ça vous coûte beaucoup d'efforts de jouer à l'idiot. Ah, très bien, nous avons affûté le couteau. Tu veux savoir pourquoi tu nies avoir été dans cette discothèque avec moi ? Je n'ai pas été dans cette discothèque. Tu le nies ? Parce que tu étais déjà avec Francisco ? Une nuit, tu en as eu assez de lui. Parce qu'il t'a dit qu'il devait dîner avec sa femme et ses filles. Tu es venu ici avec Olga. Je me trompe ? D'accord. Vous voulez la vérité ? Vous l'avez là. Francisco était marié. Quel futur j'avais avec lui ? Aucun. Quand Olga nous a présentés, vous et moi... Tu t'es tu ? Moi, j'étais le frère de Francisco. Toi, tu étais une gamine. Quel âge avais-tu ? 15 ? Oui. Tu ne te sens pas beaucoup mieux en disant la vérité ? Si, beaucoup mieux. Alors maintenant, dis-moi. Si tu connaissais déjà Francisco et qu'il avait abusé de toi, tu sais ce qui est curieux ? Quoi ? Que moi, à cette époque, je couchais avec toutes sortes de femmes que j'avais en face de moi. Et je ne me rappelle pas t'avoir emmené dans mon lit. Est-ce que je l'ai fait ? Non. Tu vois ? Tu étais différente. Parce que si je t'avais emmené au lit, ça aurait été comme avec n'importe quel autre. Ça suffit. C'est vraiment magique. Je veux danser avec toi. Tu me fais cet honneur ? Cendrillon va devoir s'en aller. Et le prince ne va pas danser. Ce cher prince... la supplie et lui demande à genoux. Tu veux que je me mette à genoux ? Non, 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 non. Je te jure que jamais je ne lui ai dit que tu l'as drogué cette nuit-là. Et comment Nacho sait que c'est toi qui l'as présenté ? Mais parce qu'il s'en est souvenu. Et il peut aussi se souvenir de toi. Mon amour, tu crois que je suis un idiot ? À cette époque, nous avons fait des folies de jeunesse. Nacho pourrait se rappeler aussi qu'il était dans la discothèque, par exemple. Tu ne te rends pas compte. S'il se rappelle qu'il a été avec elle, il peut aussi se rappeler qu'ils ont fait l'amour. Et qu'est-ce qui t'inquiète autant ? Que j'ai menti à Margarita. Je ne lui ai jamais dit que ce n'était pas Nacho qui lui a mis la drogue dans sa boisson, mais que c'était toi. Elle ne s'en souviendra pas et lui non plus. Qu'est-ce que tu dis ?
Pourquoi tu crois que Nacho ne se rappelle pas qu'il a fait l'amour avec Margarita? Je ne sais pas pourquoi. Parce que lui aussi, je lui ai mis de la drogue dans sa boisson. Tu mens. Tu es en train de mentir, Lucho. Non, non, mon amour, je ne suis pas en train de te mentir. On était dans la discothèque. Ils étaient en train de danser. Et sur la table, il y avait deux verres. Deux verres exactement pareils. Et moi, je ne savais pas quel était le verre de Margarita. Donc, j'ai mis la drogue dans les deux verres. Tu es en train de me dire qu'Ignacio peut se souvenir seulement de leur rencontre? Et quand ils dansaient aussi, ma chérie. Mais ce qui est arrivé après, non. Ils ne savaient même pas qu'ils étaient en train de faire l'amour. Tu es méprisable. Margarita croit qu'Ignacio a abusé d'elle et toi, tu sais très bien qu'il ne l'a pas fait. Non, 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 mon amour. Ignacio peut se rappeler qu'il l'a connue, mais pas qu'il l'ait emmenée au lit. Ignacio ne l'a pas droguée, il n'a pas abusé d'elle et encore moins se souvenir qu'il a fait l'amour avec elle. Pourquoi tu as fait ça, Lucho? Dis-moi, pourquoi? Tu veux savoir la vérité? Oui, je veux savoir la vérité. J'ai toujours détesté les frères Reyes. Je les hais. Parce qu'ils ont toujours eu tout ce que la vie m'avait refusé. C'étaient des enfants riches. Des enfants gâtés. Et ils se moquaient de moi car moi j'étais pauvre. C'était des enfants, Lucho. Nous étions des enfants. Oui, bien sûr, nous étions des enfants. Et c'est pour ça que je suis devenue l'amie d'Ignacio Reyes. Pour l'utiliser. Et pouvoir me venger. Et avec Margarita et l'enfant, j'ai réussi ma vengeance. Tu vois, mon amour, je suis comme... comme Dieu. J'ai pu changer la vie d'Ignacio Reyes. Et j'en ai fait un malheureux. Et pourquoi est-ce que tu ne voudrais pas être grand? Parce que les grands font des choses qui font mal aux autres. Et comment est-ce que tu le sais si tu n'es pas grand, hein? C'est parce que ma tante Rosita me l'a dit. Et on va toujours être des enfants, tu crois? Ça dépend si on demande à la chaussure magique de rester toujours, toujours petit. Alors oui,